avec un calendrier qui nous a été dit que sera communiqué à la mairie, selon le responsable de la SDE. Par ailleurs, nous constatons tous que malgré les moultes promesses de date non tenue qui a amené le renvoi de la marche du 21, jusqu'à présent, la situation perdure. Que l'eau ne vient plus dans les ménages, surtout pour ceux des niveaux en hauteur, 3e et 4e niveau. Que la mise en place de bornes frontales est un retour en arrière de plus de 50 ans. Elle déstructure la vie communautaire et pose un problème de normes et d'hygiène. Que les factures envoyées par la SDE ne servent plus à rien, sinon ressemblant à une escroquerie financière. Que la dernière date fixée par le gouvernement, la date du 20 juillet 2012, n'a pas été respectée. Par conséquent, la population des parcelles assainies, par notre voix, exige d'abord le rétablissement dans les plus brefs délais de l'approvisionnement de l'eau dans les foyers et ménages. Demande la démission du ministre hydraulique, M. Mansour Faye, qui a montré ses limites et son incompétence avec réclame la dissolution de la SDE, la mise en place d'une structure alternative. Invite toute la population à la grande marche qu'elle compte organiser le samedi 28 juillet à partir de 11h. Le rassemblement est au rond-point Casby, tous vêtus de rouge. Vive les parcelles assainies, vive le Sénégal. Voilà,